Plus de trente ans après la fin du régime Adéma Baroblique Page, il devenait étonnamment difficile d'interroger son bilan de gestion, de l'apprécier avec lucidité, de l'analyser froidement, que de le célébrer sans susciter de débats passionnés, chose remarquable, pour un projet politique fondé sur les valeurs de travail, de solidarité et de justice qui a mobilisé toutes les compétences nationales acquises au confort de la démocratie et du bien-être des Maliens. Il s'est très peu raconté, en fin de compte, pour ce qu'il a été. Pourtant, depuis juin 2022, ces choses faites avec la publication du livre bilan intitulé Bilan de la Déma Oblique Page, 1992-2002, une ambition. Pour le Mali, un livre bilan qui n'est pas un classique. Pour la simple raison qu'il obéit à la fois aux rigueurs d'écriture d'une publication scientifique, d'un projet politique et même d'un article journalistique. Un livre de 334 pages qui retrace les grandes réalisations effectuées par le régime d'Alpha Omar Konaré, ex-président de la déma barre oblique pas président de la République du Mali de 1992 à 2002. Cela, pour rappeler l'importance d'un écrit en cette période de tentative de réécriture, de falsification et de confiscation de notre histoire récente, par certains restaurateurs nostalgiques. Pour rappel, il a fallu le 26 mars 1991 pour que les vrais continuateurs de l'œuvre du Président Modibo Keita viennent au pouvoir, afin de le réhabiliter et de poursuivre ses œuvres. Ce qui leur vaut aujourd'hui la colère de ceux qui ont éliminé l'élite politique et militaire qui a conduit notre pays à l'indépendance de ceux qui ont massacré des centaines de jeunes scolaires, pour la plupart, qui ne demandait que l'instauration du multipartisme, des libertés publiques, bref un mieux-être. La déma barre oblique passe j'ai le seul parti politique malien, à ce jour, à avoir conçu et réussi à mettre en œuvre un programme politique en deux mandats, sans interruption. Il a eu le mérite. Mais également la périlleuse charge d'avoir expérimenté l'exercice du pouvoir dans un contexte démocratique et multipartiste intégral, non sans difficulté, fortes adversités externes et épiques chocs de courants politiques à l'interne. En dépit de tous ces défis, le parti a tenu bon, et qui plus est, a ouvert la participation à l'exercice du pouvoir d'autres formations politiques, y compris celle de l'opposition, Ud, Kni bar oblique fi. La Troisième République dont le parti Adema bar oblique passe déjà conduit les premiers pas, a réussi à relever le défi de la paix au nord de notre pays, en cultivant le dialogue et la concertation dans un cadre démocratique. L'organisation de la flamme de la paix à Tombouctou, pour conforter la paix retrouvée, aura fortement contribué à la résolution du problème du nord de notre pays. Comme quoi, seul un pouvoir démocratique peut réussir à ramener la paix dans notre pays. Ce que beaucoup d'analyses présentaient comme un irrédentisme nomade, à l'époque, a trouvé une solution démocratique concertée pour que soit préservé et conforté le Mali 1 mais pluriel. Cela est à l'actif de l'Adhéma oblique passe jet de ses alliés. Il est bon de préciser ici que la flamme de la paix, commentée par certaines méchantes langues, n'a jamais été orientée contre les armes de notre armée nationale, elle a plutôt concerné les armes récupérées et beaucoup plus d'armes obsolètes. N'en déplaise aux bonimenteurs, aux falsificateurs de notre histoire récente. Ce bilan non exhaustif que nous tenterons de résumer ici, décrit le remarquable et rapide enracinement démocratique malien, avec la réussite de la première alternance au pouvoir. Survenu dans le respect de notre constitution, en dotant le Mali d'institutions crédibles et inscrites dans la durée, l'ADEMA bar oblique passe à enraciner la démocratie au Mali de façon presque irréversible. En assurant de façon résolue la sécurité de tous et du territoire national, l'ADEMA bar oblique passe a donné au peuple malien les moyens de garantir sa marche vers le développement. En bâtissant un cadre plus favorable à l'atteinte d'une sécurité alimentaire durable et en s'appuyant sur des investissements publics structurants, ce sont les bases d'une croissance à la fois soutenue et inclusive qui ont été jetées. En œuvrant pour une amélioration continue des services de santé et d'éducation, la Déma Baroblique Passage a offert à la jeunesse les meilleures chances de préparer l'avenir. En optant pour la réalisation de grandes infrastructures routières, bilan du premier quinquennat jugé globalement goudronné par feu Mamadou Lamine Traoré, l'un des plus virulents détracteurs du régime Conaré, il a assuré le désenclavement intérieur et extérieur. Opérateur de la réconciliation, Bâtisseur d'une armée républicaine et d'une justice indépendante, la déma barre oblique passe été l'opérateur de la réconciliation. Il s'est employé à ce que l'autorité de l'État soit affirmée contrôlé et accepté par tous. Il a veillé à ce que les lois de la République soient connues de tous et que nul ne soit au-dessus des lois. Il a tenté de relancer l'économie nationale rendue possible par la libéralisation et l'appui aux initiatives économiques individuelles et collectives, la justice et la solidarité qui se doivent dans la répartition des richesses produites, la lutte contre la corruption et le gaspillage, la décentralisation des pouvoirs qui formera les cadres vivants de la participation du plus grand nombre des citoyens aux affaires de la cité. Il a affirmé son engagement constant à la réalisation de l'intégration africaine. La déma barre oblique passe j'ai compris très tôt que l'unité de notre pays se décide dans la réconciliation achevée de notre peuple et de son armée. C'est pourquoi, il a consenti d'importants efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées et de sécurité. Aussi, le malaise au sein des forces armées et de sécurité, confronté aux effets de la crise économique et de l'injustice sociale, a été traité avec pédagogie et fermeté. En 2002, à la fin des deux quinquennats de l'Adema Bar oblique Passage. L'armée nationale et les forces de sécurité avaient été totalement réhabilitées, pour leur contribution de qualité à l'avènement de la démocratie et à son enracinement, et ce malgré leur état de délabrement matériel et moral résultant de l'RGMT. Elles avaient retrouvé le chemin de l'honneur et leur mission traditionnelle leur avait été rendue, à travers l'amélioration de l'outil de défense. L'élaboration des textes législatifs régissant les droits civils et politiques des militaires et qui concernaient aussi la mission de l'armée à la défense de l'intégrité territoriale et des acquis démocratiques, l'amélioration de la solde des militaires. Il est important de rappeler qu'au lendemain du 26 mars 1991, la situation de notre armée nationale était caractérisée par l'état de délabrement voire de ruines de toutes les casernes militaires, par le très bas niveau de rémunération du personnel, par l'état vétuste du matériel et enfin, par l'effritement de la discipline, facteur ayant entraîné la révolte de la troupe, à travers une coordination des sous-officiers contestataires. Aucune démocratie ne saurait être construite avec une armée inquiète, Culpabiliser. Nous avons travaillé à renforcer les vertus républicaines de notre armée, une des recettes de l'Adéma-barre-oblique-passage qui a pu éviter à son régime le coup d'état militaire. Si les coups d'état militaires sont la conséquence de la mauvaise gouvernance, comme certains tentent de les justifier, admettons donc que la gouvernance de ladéma barre oblique passe a été presque sans reproche majeur Nous avons compris à la déma bar oblique passe, que la réconciliation se décide aussi dans une justice indépendante et équitable. Il s'agissait de restituer à la justice son indépendance, de rénover l'institution judiciaire, de rétablir un vrai pouvoir judiciaire à côté du législatif et de l'exécutif en bonne harmonie avec ceux-ci, de restaurer la crédibilité des décisions de justice de manière que le citoyen se reconnaisse dans la justice de son pays.